À quelques minutes du défilé, les organisateurs distribuent les maillots aux mannequins. Devant la salle, une exposition en vente de vêtements sportifs. Les questions des visiteurs sont répondues par Mohamed Silla, tailleur. On a fait ça aujourd'hui pour qu'on soit connu mondialement. Il faut que les Guinéens sachent qu'on peut faire quelque chose pour les Guinéens. Nimba, la marque qui veut aller vite vers une grande production. La nouvelle ligne de maillots propose pour toutes les disciplines sportives et tous les âges. À l'occasion de son lancement, les soutiens ne manquent pas. Je ne pouvais pas ne pas venir donner un coup de main pour l'encourager et aussi à dire à tout le monde de consommer guinéen. La marque Nimba, c'est une marque guinéenne de sport et je lui souhaite beaucoup de réussite. Après le défilé, Anna Traoré, 10 ans, apprécie son maillot. Il est beau, il est simple. Ça me va aussi parce qu'il y a certains trucs qui ne me font pas. Mais le maillot là, ça me passe, je n'ai pas chaud là-dedans. Pour les autorités sportives, Nimba est une opportunité à saisir. Notre ministère gère 31 fédérations sportives nationales. Sauf mon souhait est que les présidents des différentes fédérations sportives, puissent prendre contact avec cette société Guinée Sport et qu'un partenariat puisse être établi et qui va permettre à nos différentes disciplines sportives de s'équiper ici, pourquoi pas. Fournir les maillots aux équipes sportives de Guinée, c'est l'objectif affiché de cette dame. Nous la rencontrons le lendemain à son atelier. Vous pouvez rentrer, s'il vous plaît. Merci. Alors, c'est ici, se trouvent nos locaux, l'atelier de fabrication de tous les moyens que vous avez en placement de notre ligne de vêtements. Voilà. Ça, c'est le tailleur. Il travaille sur la machine, ça peut coudre jusqu'à 50 à 100 maillots. Avec cette machine à coudre et un personnel fixe, Jeannette Kaba peut rêver. On compte agrandir notre structure en se basant non pas seulement sur les vêtements, mais surtout sur les équipements, les accessoires tels que des chaussettes, des sacs et pourquoi pas des chaussures. Parce que rien n'est impossible vu qu'on est engagé avec le temps, avec le soutien de tout le monde, on pourra y parvenir. Trois clubs de football, l'équipe nationale de handball et plusieurs équipes scolaires et universitaires ont signé avec Nimba. Jeannette Kaba garde le sourire, même si la route est longue. Conakry, Zakaria Camara, pour VOA Afrique.